Bonjour, bonjour YouTube. Oh non, attention. Quête, parler à Taïra. C'est parti. Dernière quête principale du SDLC. Salut madame. Le moment est venu de s'occuper de l'homme de vieux. Bah vas-y. Tacito vient souvent faire son nid au sommet Tacito, de donc cette c'est caverne. Tacito. Ah. C'est un chef très brutal. Il va lui mettre une mandale. Chaque jour, il fait un exemple parmi ses ouvriers. Ouf. Il y en a, ils sont cruels juste pour être cruels, vraiment. Allez, je peux l'avoir comme ça. Là, là, là. Bon. Ok. Je vais rester à proximité et garder un œil sur ces requins afin de fonctionner comme si. Ouais, en gros, je vais me le faire solo. C'est ce que tu essayes de me dire. J'ai pas peur, moi. Faut que j'en tue. Alors, on m'a dit faut que j'en tue avec la tyrolienne. Du coup, la tyrolienne elle est inversée là. Ça va être chaud, j'en ai tué zéro avec la tyrolienne pour l'instant. Oui, Lothric et tout le blabla, je connais l'histoire, hein. J'ai joué à Dark Souls moi aussi. Ah, mais l'obélisque est de travers. Excuse-moi. Parti. Animation. Osiris piétine ton cas pour l'éternité. Ah merde, j'ai pas confirmé la mort. Je confirme la mort dans les flammes de l'enfer. Je vais die, je vais tellement die. Je pensais que. Voilà. Je pensais que c'était pas mon niveau. Oh. C'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Oh, cette mort nulle. Du bidu bidu bidu. J'ai fait preuve d'aucune méthodologie, c'est ma faute. On va assassiner un connard. Pose-toi. Voilà. C'est bon, animation. Animation, t'es pas passé. Oh, toujours les Romains, les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Encore? Toujours cet ordre éternel, hein. Ok, ça dégage. Des bisous. Bonjour, Toyera. Taïra, pardon. Allez. Faut apprendre à viser, mes amis. Oh, tiens, je manquais de flèche en plus. Merci. Oh bah je manquais de fléchettes aussi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Salut Tata. Tata Ira. Tiens-toi prêt. Nous n'en avons pas fini avec les Romains. Tacito a davantage de soldats. J'en suis certain. Ok. Si nous réussissons à les éliminer, cela pourrait provoquer un soulèvement. Et le Sinaï ne s'en portera que mieux. Ok. Ok. Les prisonniers peuvent aider en combattant. Tuer tous les Romains, oh là là.
Ta mère. Ça fait quand même beaucoup de Romains. Salut. Merde, j'ai oublié de libérer un Romain. Ok. Fallait me dire, fallait tuer tout le monde. Bah tu vas crever, hein. Casse pas les couilles. Oh, j'adore cet art. Mais meurs en fait. Genre je l'ai pas endormi, je l'ai juste mis une flèche. Alors ça c'est salaud. Ça c'est salaud. Mais les gars, vous partez à l'autre bout. Mais pourquoi il y en a un qui est parti à l'autre bout? Alors ça c'est salaud. Alors ça c'est salaud. Eh, tu dégages. Non mais il est chiant. Par contre il m'en reste encore beaucoup à tuer là. Merci la visée automatique hein, en tout cas. Mais arrêtez de fuir. Par contre je vais manquer de vie à force. Ok. Tu m'as cassé les couilles ça tout à l'heure. Ah c'est vraiment le gros soulèvement des quéquettes là. Oui bah nabattez-toi. Oh les merdes. Je l'ai fait sur un pote. Ok, plus qu'un. Bah voilà. Ah Bayek. Et bah voilà. Tu n'as pas perdu tes talents de guerrier. Toi non plus, d'ailleurs. La championne de... Allez. Ce sera difficile. Rufio va envoyer d'autres taux. Et dans la carrière, il reste des esclaves à libérer. Donc je dois éradiquer un autre endroit. Tu travailles pour Gamilat? Il nous a parlé de ceux qu'on ne voit pas. Bah en fait on les voit à force. Personne ne connaît ceux qu'on ne voit pas. En tout cas, merci de nous avoir défendu. Ah bah c'est une bonne réponse hein, parce que ceux qu'on ne voit pas. Mon sou. J'ai pas de sou. Brisez les chaînes. Frappe chirurgicale. Assassiné en Pélus. Ouais c'est fait. Et du coup, nouvelle quête. Seule quête disponible dans toutes les principales... Enfin, dans toutes les machins, oui. Bonjour, numéro de ceux qu'on ne voit pas. Bah, allez, on y va à pied. On a du temps devant nous. Ça fait un petit peu de marche. Ah, une tyrolienne. Ouais, tiens, on va prendre la tyrolienne, ça va même être plus rapide. Piu, 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 piu. Ok. C'est y part. Et du coup, comment on assassine quelqu'un depuis une tyrolienne? Mais j'ai pas votre temps. Bon, je vous aide parce que voilà, vous faites de la peine. Mais il y a du monde quand même, hein. Ok, c'est good. Ça fait de l'XP. Bon, c'est 22 500 d'XP pour passer niveau 51, et là... Bon, quand même, on s'est fait masse de niveau. Les quêtes, elles donnaient masse le d'XP. Bah, 22 500, c'est quasiment un demi-niveau. Donc j'avance un petit à petit. Donc moi, j'aimerais bien m'arrêter au niveau 60. Je sais pas si ça va être possible. Je pense que même avec le...
La maladie des pharaons, on ira plus loin. On ira peut-être au 65. Briser les chaînes. Je pense que c'est la dernière quête. Animation. Trois cadavres. Comme promis. Ne reste plus que Ruflon. Lui-même. On a tué les trois commandants. La nouvelle de ses morts va l'attirer dans le Sinaï. Yamilat est le héros de la région. Toute la population ne parle que de lui. Tant mieux. Quelque chose ne va pas. La cause de ces rebelles est juste. Mais tu as vu comme moi que trop de villageois ont été victimes de ces affrontements. Beaucoup de gens sont morts. C'est pas grave. Tu en as parlé avec lui, Taïra? Pour lui, ce sont des martyrs. Leur mort pousse leur famille à se joindre aux rebelles. Gasta! En feu! Sortez vite! Bah laissez-la crever, elle s'est pris qu'une bûche. Oh les bâtards. Ah non, je suis pas le chef. Ouais, c'est... Je suis qu'un hobbit. Attendez. Je marche pieds nus, hein, je suis qu'un hobbit, c'est pas moi le chef. Ah ouais. Arrête, ça pique. Aujourd'hui. Hey, je vous tuerai tous. Oh, le sourire que je fais. J'avais prévenu. Salut, ma bro. Tu veux. Aya! Fais preuve d'un peu de décence. Enfin, un mounette, mais t'étais Aya avant. Ah, ouf, on a failli voir le machin. Vous avez trop attiré l'attention. On a entendu parler du bureau jusqu'à Rome. Je sais, cet incendie en est la preuve. Il faut d'abord retrouver Taïra et Kashta. Ils sont retenus au fort Claustra. Merde. Je vais m'en occuper. Laisse-moi inspecter les lieux. Ça grouille de soldats romains. Tu m'as manqué. Allez, t'es cool. Appelez-nous. Ok. Je suis localisé. Oula, caméra. Moi de l'autre côté du fort Claustra. Oui, Kashta est escorté jusqu'au point de contrôle. Ah, mais il y en a d'autres. Ah, mais je vais tous les tuer, les gens du coin. J'ai dit que je vous tuerai tous. Je vais tous vous buter. Il n'y a pas de discrétion, là. Vous m'avez saoulé. Ah, il meurt. Ok, allez, meurt. Ok, meurt. Ok, meurt. Meurt. Je sais pas pourquoi lui il est sorti de sa cachette comme ça, meurt.
Ok, meurs. Ok, c'est good. Bah oui, je te libère. Ce fort a été bâti par Osiris. C'est de la folie. Suis-moi. Je crains pour sa vie. Attention parce qu'il y a des ennemis. Attends, tu t'en vas. Tu veux pas m'aider? Ok. Bon, allons au point de contrôle. Suis-moi et sois prêt à te battre. Ouais, ouais. Viens, on libère les deux. Viens, on libère Taïra. Qu'on la laisse pas dans la merde. Bon, on va la sauver. Ok, ça dégage. Ah, mais elle est là. Ah, prudence. Comment tu... Ouh, ils t'ont fait mal. Tiens bon, Taïra. Je vais t'emmener loin d'ici. Allez, viens, 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 viens. Moi, je te libère, mais... j'avoue. Ça va aller, je vais te libérer, là, relou, là. Relou sur moi. Tu suis, Jean-Michel? Je crois qu'il y a du danger. Ok, faut que je m'occupe de lui avant qu'il appelle les renforts. Ça dégage. C'est bon? Eh, viens, 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 viens. Mais si tu prends pas tes flèches aussi. Ok, allez, c'est parti. On a libéré les copains. Amoumet, c'est mon ex-femme, hein. Enfin. Non, 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 ta gueule avec tes champs de roseaux de merde. Mais oh, arrêtez là avec vos points. Ok. Vite. Allons. Je vais te libérer. Oh non, des chevaux. Non, non, j'aime pas le trajet en cheval. Nous devons partir. Les Romains peuvent surgir à tout moment. Il faut rejoindre mon campement. J'enrage de voir Taïra dans cet état. Nous la soignerons au campement. Ok. Mec, puissent les dieux ne pas emmener ma grande sœur. C'est pas ma grande sœur. C'est une pote. Dans les rangs de ceux qu'on ne voit pas. Mais qui? Tous prêtent serment. Pourtant, quelqu'un s'est joué de nous. Bah, le gars que j'ai sauvé. Certain. On ne peut plus faire confiance à personne. Ouais, voilà. Vous vous rappelez le fils de Taharqa? Il s'est passé la même chose avec Brutus et Cassius. Plus la confrérie est connue, plus elle est en danger. Alors, prions pour que les dieux nous laissent Taïra. L'avatar nous est un... Putain, bande de connards. Je m'en occupe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est easy. Ouh. Ok. Allez, remonte à ton cheval vite. Alors, prions pour que les dieux nous laissent Taïra. Ouais. Bata, vous êtes indispensable. Ah, du coup, vous montez à deux dans le même cheval.
Ouh, j'ai failli me faire repérer. Genre vraiment ça. Si si, tu vas survivre. Ils ont dû te faire beau, hein, vu comment tu gueules. Nous y sommes presque. Tu vas survivre. J'ai failli, Hayek. Oh, non. Non, tu n'as pas failli. Tu as été aussi loyal qu'un roc. D'avoue, c'était la bronze. T'es la première à prêter serment. Tu es celle qu'on ne voit pas. Tu es mon ami. Fais sur notre credo. Par contre, tu viens de me faire une Marion Cotillard du futur, là. Rufio, c'est vrai, j'ai toujours pas tué Rufio. C'est parti. 10k d'XP, parlez à Mumette. Non, c'est pas toi. Ouais. Simpe Semper, machin. Ok. Qu'il est à bord de son Octarem. Oh non. Il sait comment se protéger. Et il sait faire trembler de peur la population. Oh ben j'ai remarqué. Je ne répéterai pas les erreurs de mes commandants. Je ne débarquerai pas sur cette maudite terre de sauvages. Mais tous s'inclineront devant moi. Logique. J'ai pas YouTube, je dois me les laver.
Excusez-moi. My bad. Bon bref, on continue. Rufio a échappé à ma vigilance. Et j'ai appris ce qui était arrivé au bureau. Mais il y a aussi des gens de valeur à Rome. Comment ça? Et Memphis. Ce qu'on ne voit pas se porte bien. Mais sans Pharaon sur le trône, nous sommes perdus. C'est vrai. J'ai peur que nos temples aient été vendus. Puis, il y a Cléopâtre. Bah, elle fait quoi? Elle fait sa vie. Elle a apporté la prospérité à Alexandrie. Nul ne peut le nier. Le vrai souci, c'est l'armée de son maman. Marc-Antoine porte la même odeur de tyrannie qui émanait de César. C'est qui, Marc-Antoine? Rufio dégage la même violence. C'est relou. Oui, elle envahit le Sinaï. C'est pour ça que nous devons l'accueillir. Par le feu et par le sang. Bayek, Bayek, vite, viens nous aider. Oh oui, il y a du feu. Oula. Ramon, qui leur a dit mon nom? Bah, tu es celui qui ne voit pas, c'est ça? Misérable Nabatéen, ne vous opposez pas à Ramon. Mais c'est une folle, hein. Pour nous faire passer un message, je suppose. C'est moi, ça. Je l'ai fait me trancher la gorge, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde. Merci. Ok. Bon, on y va un petit peu à l'épée, ça fait longtemps. Ok. Il reste plus que des cibles par là. Putain, j'adore cet arc. Ok. Bien, il parle une langue. Bien, il parle une langue. Et merde, j'ai. Ok. Non, mais arrête. T'as le ralenti. Ok, ça y est. Nice. Oui, mais il est sur un Octarem. Mais un Octarem, c'est 1600 hommes, on l'avait regardé la dernière fois. Hein. Bon, je peux le faire, mais bon, ça va me prendre 8 VOD. Oh ouais, il est beau l'Octarem. Trouver un assassiné, Rufruf. Eh ben, Rufruf. Je suis désolé, mon Rufruf, hein, mais. Ça fait beaucoup là, non? J'ai pas peur. Je me tire. Ok, merde. Ça c'est con ça. Moi je veux juste tuer Rufio. Rufio! J'ai pas peur, moi je vais m'en occuper de ce Rufruf. Ça c'est pour taïr. Attends. Jamais tu ne me briseras. Bah, je vais te tuer. Tu n'as rien d'un homme. Tu n'es qu'un insecte. Ceux qu'on ne voit pas sont finis. Ton ordre va s'écrouler. Ouais, du coup. Nique tes morts sur le vieux port. Et grâce à ça, j'ai des fumigènes. Ok, c'est bon? Non, il en reste deux ici. Mais non, mais... Arrête!
Meurs. Ok. Confirmez la mort. Animation. Et on a tué le dernier décapiteur. Bah parce que t'es méchant. Les papas ne laisseront jamais l'ordre des anciens prendre son envol. Alors c'est vrai. Ce qu'on ne voit pas existe. Bah oui. C'est étrange. Vous voulez les mêmes choses que nous. La paix. Et l'ordre. L'ordre. Et pourtant nos idées survivront. Tu peux me tuer. Nous ne disparaîtrons pas. C'est l'armée des morts, ça. Si, si, César a bâti un ordre puissant avant d'être lâchement poignardé dans le dos par la main traîtresse de ta femme. Alors traîtresse non, parce qu'il a été méchant. Dans l'ombre que nous avons créé. Que ce qu'on ne voit pas tenter. Tu puisses l'attendre. On est Dieu, c'est là ce que deviennent les assassins et l'ordre va devenir un templier. Et nous, on va devenir les assassins. C'est vraiment les prémices de ce que deviennent les deux. Donc je me demande, Odyssée, du coup, il va retracer quoi? Je suis étonné. Le chef. Et ça fait 15k d'XP. Allez, des bisous. Et niveau 52. Intérêt général. Parlez à Moumette. Salut, meurs. Ok, ça dégage. Des bisous. Du. C'est pas fini du coup, là, ça. Et du coup, il y a de nouvelles quêtes secondaires qui se sont mis ou pas? Non. Pas exagéré. Bonjour. Salut mon ex-femme, pardon. Ils auront la paix jusqu'à ce que les Romains envoient un autre général. Mais sans fin. Nous devons faire de notre confrérie un socle aussi solide que l'ordre. Nous avons un souci plus urgent. Qui? Gamilat. Les gens le considèrent comme un dieu. Du coup. La liberté de son peuple. Il a trahi. Nous avons été témoins d'un massacre. J'ai discuté avec les villageois. C'était loin d'être le premier. Et alors? C'est Gaïnage le premier? C'est celui qui a trahi? Des martyrs pour la cause et incite les familles à se venger des Romains. C'est pas ouf hein, ce qu'il fait, Gamilat. Provoque des massacres pour recruter plus de rebelles. Bah, c'est pas le but. Il l'a fait à de nombreuses reprises. Sa rébellion s'étend, oui, mais à quel prix? C'est mon ami. Ah bah, ça l'est plus. Coup dur. Il faut que je lui parle. Au moins, faut que je le tue.
rugissement de Gavilat nous laisse sans voix. Il dirigerait cette rébellion par soif du pouvoir. Mais non, pour avoir des alliés. Je pense qu'il tient tellement au succès de la rébellion qu'il se moque de tout le reste. Bah, on va s'en occuper. Tous ces villageois comme des martyrs, sans même réaliser qu'il ne leur laisse pas le choix. Non mais ah si, attendez. Succès, il n'hésitera pas à l'employer de nouveau quand les Romains enverront un autre général. Donc on peut perdre beaucoup de villageois quand c'est sa connerie. Fronzez notre ville. Vraiment, casse les couilles. Ok. C'est bon ? Allez, reviens. Je sais même pas qui j'ai tué, je crois que c'est des Romains. Enfin, j'espère. Où est ton cheval ? Ok, t'as pas de cheval. Si, t'as un cheval. Ok, il était là. My bad. Toujours pas fini, le DLC, quoi. Il y a vraiment une très longue quête principale. Parle-moi de ta vie à Rome. Ouais, ça se passe bien. C'est un endroit merveilleux, plein d'intrigues, de ruses et de corruption. La ville idéale pour des gens comme nous. J'avoue. Je croyais que tu allais me parler du vin. Oh, le vin est très bon. Tu devrais venir un jour. Nous y goûterons ensemble. T'en serais ravi. Nous approchons. Il sera entouré de ces rebelles. Ah, il le voit comme un dieu. Nous ne pourrons pas le défier devant. Je l'ai tué ou pas, du coup ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Maintenant que Rufio est tombé, c'est au tour de Rome. Tu es un peu jeune, non ? Allez, viens, joue au soldat, rigole un peu. Il est où, Galinette ? Neb, où est ton chef ? Gavilat, il chasse près de l'oasis. Ok, merci. Je n'ai aucune envie de m'amuser. D'accord. Tu es très sérieux. Pour honorer mon père, à ceux qu'on ne voit pas, ils nous ont libérés de la domination. Hein ? C'est pas du tout en rythme ce que tu chantais, pardon, mais... Gamilat, le grand espoir des Nabatéens. T'as été méchant. Ouais, c'est mal ce que t'as fait. Hein. Faut pas te mentir. Faut qu'on parle. Allez. Bayek. Qu'est-ce que ça veut dire ? Gamila, tu as provoqué des massacres. Beaucoup de villageois innocents sont morts. Je n'ai fait que révéler la cruauté de ces chiens de Romains. Ces martyrs. Ont amené tant de guerriers à prendre les armes. Des martyrs. Que représente la vie de quelques villageois face à la liberté de tous ? Ah ouais. De quelques villageois. Tu oublies qu'ils n'ont pas eu le choix. Bayek, ne sois pas oublié. Nous combattons tous pour la même cause. Ah non, t'as été méchant, par rapport à moi. Non. Ici. Nous sommes face à face. Si tu... Non plus, on peut discuter, mais j'ai trouvé que c'était pas cool. Vraiment ? Oh, c'est pas mon niveau. Attends, je reviens. Allez, j'ai pas peur. Ok, tu veux faire un combat à l'arc? Alors, par contre, ça fait mal. Mais par contre, tu niques ta mère. Allez, c'est fini. Je suis désolé, mais c'était méchant ce que t'as fait.
Ah vraiment là il y a une désynchronisation. Enfin une synchronisation. Ouais, tu bossais pour l'ordre, c'est ça. Il y a la liberté d'un côté. Et de l'autre, il y a la vie des innocents. Les deux doivent peser dans la balance. Désormais, c'est mon cœur qui reposera sur celle d'Anubis. Cette cause Gamilat l'a fait battre beaucoup trop fort. L'innocent mérite. Bayek, je me suis laissé aveugler par mon ardeur. Tu as bien agi, mon ami. J'accepte cette mort. Ça va propre. C'est dur de tuer combien des isosortes depuis que j'ai commencé la campagne. Puisses-tu trouver la paix dans la droite. Et puis ce qu'on ne voit pas perdurer jusqu'à la fin des temps. Je me fais un amateur film de pour une critique ciné. Gamilat a péri, mais son histoire survit parmi les guerriers du Sinaï. Il pouvait tuer 1000 tyrans d'un souffle, d'une flèche divine. Toujours ce connard là qui chante comme un connard. Même lui mettre. Faut-il les priver de leurs rêves? Ils gardent leurs héros. Pour nous, l'essentiel est qu'ils oublient ceux qu'on ne voit pas. Tu m'as quand même manqué, Yapataya. Une cause plus grande. La fin de massacres insensés. Oui. Oui, non, mais commence pas à douter. Ah, j'ai toujours mon doigt en moi, tiens, j'avais pas remarqué. On dit nice ou on dit pas nice? Transmettre nos préceptes à ceux qui ont prêté serment, afin qu'ils aient un vrai credo à étudier. Ceux qu'on ne voit pas se rendront à Petra, et plus loin en Judée, et plus loin encore. Le credo doit survivre à chacun d'entre nous. Personne n'aura de primauté sur le groupe. À mon retour à Rome, je ne parlerai pas de héros. Mais de discipline et de persévérance. Par contre, elle est classe, Aya. Notre volonté est sans faille. Notre esprit veille, nos putain. Nos lames sont implacables. Ah, c'est bon, ça c'est une bonne traduction. C'est quoi cette tenue blanche bien cachée bah. Moi j'ai une tenue pas mal correspondante. Je sais pas, il y avait une musique, j'entendais pas.
Bah oui, mais vous avez envie de Ken, moi aussi, je sais. C'est un joli DLC. Pour apprendre comment deviennent les assassins. Aiden One. Tu t'aires, écoutez, je pense mille fois que ça vaut ces 10 euros. Mais vraiment. Et 15k d'XP. Arrête avec trop d'XP. Succès! Bah c'est good. Ah, on a un petit clan de petit point de TP de ceux qu'on ne voit pas ici. Et bah c'est good. Écoutez, on n'a pas de quête de ceux qu'on ne voit pas. On a ça. Ce qu'on va faire au prochain épisode, on va faire une petite pause de 5 minutes. Faire une petite pause de 5 minutes, puis aller voir ça. Passer aux toilettes, me laver les mains, et puis tout blabla. Je vous fais des gros bisous YouTube. Excellent DLC qui m'a beaucoup plu.